Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons vous proposer le démontage et le remontage du bottom de portable S14 de VivoBook de chez Asus. Alors voilà, nous voilà pour donc le démontage du S14 VivoBook de chez Asus. Donc nous attaquons le démontage, bien sûr, par le bottom. Hop. Alors toujours bien penser à avoir votre petite grille pour mettre vos vis. Toujours la boîte d'outillage. Donc là, nous avons uniquement du cruciforme pour le moment. Donc celle-ci est un peu plus longue. Il faudra se souvenir que sur les latéraux, elles sont un peu plus longues. Y a-t-il un piège ou c'est simplement bien fixé? Alors toujours pareil, on force pas, on essaye de comprendre. Non, pas de piège. Voilà, vous voyez le bottom, il vient tout seul. On passe bien sûr à bien reclipser votre écran. Voilà. Ici, c'est là où le passage de câble est important, c'est quand on va y remettre le bottom. Ça ne vous gêne pas. Et on replace donc le bottom. Et voilà, et maintenant on remet les vis. Alors rappelez-vous, il y avait trois types de vis différentes, des très longues, des petites. Alors les petites vont devant, les très longues vont à l'arrière et les moyennes au milieu. Pour ce modèle, hein, je précise, c'est pas tout le temps le cas. Hop, ce que j'appelle les très longues. Vous allez voir, vous avez, alors des fois le vis, vous voyez, vous en avez une plus courte que l'autre. Ben la plus courte, c'est celle du milieu. Il doit en avoir trois de ce type. Et voilà. Voilà, mais ça a été donc un plaisir de partager avec vous ce démontage-remontage du VivoBook S14 de chez Asus. Et j'espère que cela vous sera utile et pensez à partager, liker nos vidéos. Je vous dis à la prochaine pour de prochaines aventures. Hein, vous avez vu que sur ce modèle, c'est pas toujours évident. Bonne journée !